le Maroc renforce sa défense avec les Sherpa Atlas. Tiré d'un article publié par Express. Les forces armées royales devraient bientôt recevoir un deuxième lot de véhicules blindés tactiques de type Sherpa, dotés du système de défense aérienne Mistral Atlas RC, la version la plus avancée des missiles MBDA. Selon le site espagnol Infodefensa, le Maroc s'apprête à recevoir prochainement un nouveau lot de véhicules Sherpa du groupe français Arcus, anciennement connu sous le nom de Renault Truck Défense. Ces véhicules seront équipés d'un système de défense aérienne encore plus puissant, à savoir le nouveau Mistral Atlas RC. Les Sherpa sont des véhicules tactiques polyvalents développés en différentes versions. Les véhicules d'Arcus peuvent accueillir un équipage de 5 personnes, atteindre une vitesse maximale de 110 km par heure et traverser des eaux d'une profondeur allant jusqu'à 1,5 m. Le Mistral Atlas RC de MBDA est un nouveau système Mistral basé sur une tourelle télécommandée, équipé de 2 ou 4 missiles Mistral et d'un viseur thermique de dernière génération. Il peut être monté sur des véhicules blindés légers tels que le Sherpa. Contrairement au système Mistral Atlas standard, qui est un lanceur de missiles à commande manuelle, le nouveau système Mistral Atlas RC offre une plus grande protection à l'équipage, car il peut être commandé depuis l'intérieur de la cabine du véhicule ou à distance, via une station de travail entièrement mobile. Sa tourelle motorisée à 360 degrés, facile à utiliser, offre une capacité opérationnelle optimisée tout en réduisant les coûts au minimum. L'Atlas RC est compatible avec toutes les versions du missile Mistral, qui a fait ses preuves au combat et bénéficie de ses nombreuses performances avantageuses. Il allie une puissance de feu élevée, un temps de réaction court, des capacités de surveillance et d'engagement jour-nuit, une mobilité tactique et stratégique, ainsi qu'un haut niveau de protection de l'équipage. Pour rappel, en 2020, le Maroc a signé un contrat avec la société française Arcus et l'armurier français MBDA pour l'acquisition de 36 véhicules militaires de type Sherpa, dont un premier lot a été livré en 2022.